Ils étaient des milliers de fidèles musulmans venus des quatre coins du Burkina Faso, d'Afrique et d'Europe à prendre d'assaut la place de la nation de Ouagadougou dans la nuit de ce 27 novembre 2020. Ils sont venus écouter le prêche de leur guide religieux Cheikh Aziz Aguib Souré à l'occasion du Ashura qui marque le début d'une nouvelle année musulmane. Cette nuit appelée Ashura a plusieurs avantages. Dieu a fait le monde selon cette nuit. Dieu, s'il veut faire quelque chose cette année pour ses adorateurs, donner de l'argent, accorder le repos éternel aux fiancés, tout ce que l'homme peut avoir comme bien ou mauvais, c'est dans cette nuit que ça se décide. Que cette année soit une année de paix pour le peuple, qu'il y ait de bénédictions. Dans son prêche où le Coran est la référence, Cheikh Aziz Aguib Souré s'est farouchement opposé au terrorisme. Dans son message, le guide spirituel a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, principales victimes de ce phénomène. Nous profitons de cette occasion pour féliciter nos vaillants soldats et prier pour eux. Tout homme doit défendre sa patrie. Une tierce personne ne peut venir le faire. C'est nous, le peuple, qui devons défendre notre patrie. Dieu nous a donné la force. Il faut que nous accompagnions nos FDS avec des prières. Que chacun de nous contribue comme il peut. Le chef, dans son adresse, a exhorté les populations à une franche collaboration avec les autorités sécuritaires afin que tout individu suspect soit dénoncé le plus tôt possible. Sur place, le guide spirituel a offert 5 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité. Dans les jours à venir, l'héritier du livre Saint mettra le cap sur la commune de Nouna, sa terre natale, pour livrer le message de Dieu aux populations de cette localité du pays.